nous voilà en plein chantier de création de notre mare. Alors, on a la chance d'avoir une terre meuble et facile à creuser. Et l'important, c'est de ne pas descendre tout droit, c'est de faire des paliers. Au plus profond, on sera à 70 cm et ensuite, on va remonter par paliers à 40 cm, 30 cm. On fait des genres de petites terrasses pour que la mare ne soit pas dangereuse et aussi pour que sur ces petites terrasses, on puisse ensuite planter des végétaux. Oui, et à un moment donné, il est important de matérialiser le niveau final de l'eau quand la mare sera pleine. Alors on travaille à la grande règle avec un niveau à bulle. Et puis on fixe une ficelle sur tout le pourtour de la mare, hein, sur le niveau final de l'eau. L'alimentation de la mare, elle sera faite au départ avec l'eau du puits et chaque fois qu'il y en aura besoin. Quand on pourra, on le fera avec l'eau de récupération de la toiture. Et c'est ce regard qui permet de l'orienter quand on veut avec le tuyau rouge, quand on veut. Alors, une fois que le terrassement est terminé, on étale un feutre épais qui va éviter à la bâche d'être percée par un caillou pointu, par exemple. Pour la bâche, on utilise une bâche caoutchouc de type PDM d'une seule pièce, qui déborde bien sur tout le pourtour du bassin. Oui, on met un peu de sable au fond d'abord pour ajuster la bâche. Et puis on remplit peu à peu et ça permet de répartir les plis. Voilà venu le moment de mettre de la terre dans le bassin. On n'y pense pas toujours, mais ça peut être intéressant de placer de la terre à l'intérieur du bassin. Et on va faire dépasser éventuellement cette terre un petit peu de la surface de l'eau. Ce qui va permettre d'élargir la palette de végétaux. On va avoir certains végétaux qui seront complètement immergés et d'autres qui vont être plutôt des végétaux de zone humide. Et puis sur tout le pourtour de la mare, on va faire une petite tranchée d'environ 15 cm par 15 cm pour créer une barrière de capillarité légèrement au-dessus de la surface maximum de l'eau, bien sûr, pour que la végétation extérieure, le gazon par exemple, ne vienne pas pomper l'eau de la mare. Et puis dans cette petite tranchée, on va la remplir avec un béton maigre mélangé avec des cailloux, des graviers. Pour cacher la bâche et pour décorer les bords, on va utiliser des galets, des pierres qu'on va trouver dans la région. Donc nous, on a utilisé des galets, surtout des silex qu'on a trouvé dans le terrain. Et puis une grosse pierre ferrugineuse qui était aussi dans le terrain et qu'on a mise en place au bord du bassin pour pouvoir s'asseoir. Oui, et puis à l'occasion de fortes pluies, la mare risque de déborder, bien sûr. Alors on choisira un endroit, l'endroit le plus bas autour de la mare, pour faire une petite goulotte pour, comme trop-plein pour que l'eau puisse s'écouler dans un endroit du terrain qu'on aura choisi. Ensuite, il faut enfouir les bords de la bâche. Oui, alors bon, il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Moi, ma manière, c'est d'utiliser un burin large, hein, pour fendre le sol et ensuite enfiler la bâche. Ça permet de fixer définitivement, oui, le débord de la bâche. Alors, nous voici arrivés maintenant au moment tant attendu des plantations. Les cuvettes de terre semi-immergées sont plantées avec des végétaux rustiques et locaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas acheté de végétaux en jardinerie. On a prélevé au bord d'une mare quelques pieds de jonc, de la menthe aquatique
de la cardamine par exemple. Voilà le décor de notre mare, planté, terminé, si tant est qu'il peut l'être. Et maintenant, nous contemplons cette mare qui va devenir le cœur de notre jardin. Oui, parce que c'est autour de ce point d'eau que les oiseaux, les abeilles, vont venir s'abreuver. Et on y verra sans doute des grenouilles, des tritons, des libellules, puis plein d'autres petites bêtes dont on ignore même le nom. Les plantes vont se développer. Et c'est elles qui maintiendront la qualité de l'eau. Un écosystème va se créer dans cette mare et autour de la mare. Donc rendez-vous dans un an pour voir le résultat et voir comment a progressé l'évolution de ce bassin.